Nous voici maintenant à Nice, où vient d'avoir lieu une étude sur une nouvelle méthode de détection du cancer imaginée par le professeur Patrizia Paterlini-Bréchaud. Une méthode qui pourrait bien représenter une avancée déterminante dans la lutte contre le cancer. Car 15 millions de nouveaux cas de cancer sont déclarés dans le monde chaque année. Et devant l'ampleur de ce fléau, les scientifiques sont unanimes. Pour stopper le cancer, il faut parvenir à le détecter le plus tôt possible, avant même l'apparition des symptômes visibles. Car la majorité des cancers se développent à notre insu pendant des années. C'est le cas, par exemple, du cancer du poumon. Les cancers du poumon sont détectés à un stade avancé parce que une boule à l'intérieur du thorax, ça ne fait pas mal. Ça peut pousser pendant des années sans qu'on ne s'en rende compte. On ne peut pas palper son poumon à l'intérieur du thorax. Le professeur Patrizia Paterlini-Bréchaud traque le cancer depuis plus de 20 ans. Originaire d'Italie, cette chercheuse en biologie cellulaire à l'Université Paris-Descartes a fait de la détection précoce du cancer son combat. Et après des années d'efforts, ses recherches sont en train d'aboutir. Dans ce laboratoire, elle a mis au point un test pour détecter les signes avant-coureurs de l'arrivée d'un cancer et, chose incroyable, à partir d'une simple prise de sang. La lutte contre le cancer, c'est des traitements contre le cancer et c'est un diagnostic très précoce pour pouvoir le détecter précocement et le traiter le plus tôt possible. Et nous, puisqu'on voulait aller vite dans le fait d'apporter une amélioration en termes d'espérance de vie, on a raisonné que tout élément, tout organisme, quand il est au début, est plus fragile. Eh bien, aussi, le cancer est plus fragile, donc plus attaquable, plus facile à éliminer quand il est au début par rapport à quand il s'est étalé, étendu dans l'organisme. Pour élaborer ce test, Patrizia Paterlini-Bréchaud s'est donc penchée de plus près sur la manière dont un cancer se forme, pour mieux en stopper les mécanismes. Explication. Dans notre organisme, les cellules se renouvellent de façon régulière. Mais lorsqu'un cancer se déclare, les cellules se renouvellent de façon anarchique et désordonnée, formant ainsi une grosseur appelée tumeur. D'abord localisée sur un organe, par exemple le poumon ou le côlon, cette tumeur peut dans certains cas continuer sa progression à cause des cellules qui la constituent. Certaines de ces cellules se détachent de la tumeur et passent dans le sang. On les appelle cellules tumorales circulantes, c'est-à-dire des cellules cancéreuses. Et c'est ainsi que le cancer se propage dans notre organisme. Par le sang, ces cellules cancéreuses peuvent atteindre au bout de quelques mois ou années d'autres organes, comme le foie ou même le cerveau. En s'implantant dans ces autres organes, ces cellules qui dérivent de la tumeur mère produisent de nouvelles tumeurs filles appelées métastases. Lorsque les métastases apparaissent, le patient devient très difficile à guérir. Alors, comment éviter l'apparition de ces métastases ? J'ai eu une illumination parce que les cellules tumorales circulantes, c'est les traits d'union entre tumeurs et métastases. Dès qu'elles apparaissent, il y a un risque de métastases. Si on peut bloquer le cancer là, on sauve le patient parce qu'on empêche la formation des métastases. Détecter les cellules cancéreuses qui circulent dans le sang dès qu'un cancer se déclare et qu'une tumeur est en formation, mais bien avant qu'elles puissent être détectées par les scanners ou les IRM, voilà la prouesse technique qu'a réalisée Patrizia Paterlini-Bréchaud. L'enjeu était de taille, car ces cellules sont très rares et très fragiles. En outre, elles circulent parmi des milliards de cellules sanguines. Il fallait pouvoir détecter une cellule tumorale dans 10 ml de sang, c'est-à-dire mélanger en moyenne à 100 millions de globules blancs et 50 milliards de globules rouges. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, comment les repérer ? C'est là que la chercheuse a eu une idée de génie, se baser sur leur taille. Car les cellules cancéreuses sont bien plus grosses que les cellules sanguines. Elle a donc imaginé une façon de les isoler en les filtrant tout simplement. Et c'est en cela que consiste le test qu'elle a mis au point et qu'elle a baptisé ISETTE, ce qui signifie isolation des cellules par la taille. Mais alors, comment ça marche ? Pour isoler les cellules qui dérivent de la tumeur, le test ISETTE fonctionne comme un tamis. Le sang prélevé
est filtrée et passe par une membrane dotée de petits trous de 8 microns chacun, soit 6 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Pourquoi cette précision ? Parce que les cellules sanguines, les plus petites cellules de l'organisme, font moins de 8 microns, donc elles passent à travers les trous. En revanche, les cellules qui dérivent de la tumeur, qui sont en général bien plus grosses, sont retenues à la surface du tamis. Et une fois qu'elles sont isolées, elles peuvent être analysées. Voilà à quoi ressemble cette membrane. Pour que son efficacité soit irréprochable, encore faut-il s'assurer que le test ne laisse passer aucune cellule cancéreuse. Patrizia Paterlini-Bréchot nous en fait la démonstration en laboratoire avec une cellule cancéreuse qu'on a rendue fluorescente pour pouvoir la repérer. On va en prendre une seule, ce qui est assez pointu, et on va la mettre dans 10 ml de sang. Et ensuite, on analyse le filtre entier pour voir si cette cellule fluorescente est retrouvée. Une fois isolée, la cellule cancéreuse fluorescente est injectée dans ce tube de sang qui contient 10 ml. C'est le volume moyen d'un test sanguin. Pour détecter la cellule, on suit donc toutes les étapes du test ISET. Le sang, qui contient la cellule cancéreuse, est d'abord dilué dans une solution. Cette solution, créée par les équipes de Patrizia Paterlini-Bréchot, rend la cellule cancéreuse rigide, afin d'éviter qu'elle ne se déforme et glisse à travers les trous. Le sang est alors réparti dans cette cartouche sous laquelle se trouve la membrane. Puis, la machine filtre l'ensemble. Quelques minutes plus tard, le filtre est passé au microscope. Alors, va-t-on retrouver la cellule fluorescente ? Et voilà, ça c'est vraiment la cellule qu'on cherchait. Mission accomplie ! En marron, on distingue les petits trous du filtre et en fluo, la cellule cancéreuse. Après 20 ans de recherche, la chercheuse savoure sa victoire. Mais bien entendu, il a fallu faire des essais cliniques sur des patients à risque afin de repérer s'ils souffraient d'un cancer naissant avant même qu'il puisse être détecté par les examens classiques. C'est ici, au CHU de Nice, que le test de Patrizia Paterlini-Bréchot a fait ses preuves pour la première fois. Cette étude s'est faite sous l'égide du professeur Hoffmann. Ce spécialiste de l'analyse des cellules a axé ses recherches sur la détection de l'un des cancers les plus mortels, le cancer du poumon. Il y a 6 ans, il a donc démarré l'étude clinique du test ISET afin de démontrer son efficacité. Cette étude a concerné 268 patients. Sur ces patients, il y avait une cohorte de patients qu'on appelle des patients à haut risque de faire un cancer du poumon, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une maladie qui est déclenchée par une exposition tabagique active sur plusieurs années. Et ensuite, il y avait une série de patients fumeurs, mais sans cette maladie pulmonaire. Pour Paul Hoffmann, l'intérêt majeur de ce test ISET est qu'il conserve les cellules intactes. Il peut donc les analyser et s'assurer de leur nature cancéreuse. Les petits trous que l'on voit ici, ce sont les pores du filtre, qui sont très réguliers, qui ont laissé passer l'ensemble des cellules sanguines normales. Et à la surface du filtre persistent des cellules qui sont très volumineuses, qui ont un noyau très irrégulier, qui sont très foncés et qui correspondent à des cellules tumorales. Grâce à l'analyse des cellules qu'a permis le test ISET, on a détecté chez 5 patients des cellules cancéreuses circulant dans le sang. Entre 1 et 5 ans plus tard, on a vu apparaître chez ces 5 patients une petite tumeur. Et il s'agissait bien d'un début de cancer. Les 5 patients ont été traités immédiatement et guéris sans récidive jusqu'à présent. Un résultat très encourageant, car le cancer a été détecté à temps. Chef du service de pneumologie à l'hôpital de Nice, le professeur Marquette a travaillé avec le professeur Hoffmann sur cette première étude. Il voit dans ce test une véritable révolution pour ses patients. La meilleure façon de guérir un cancer du poumon, c'est de le découvrir tôt. Ça, c'est vraiment le message simple. Pour l'instant, seul le scanner thoracique permet de détecter un cancer du poumon. Grâce à cet examen, on peut visualiser le thorax d'un patient pour détecter la présence de tumeurs. Mais dans 75% des cas, cet examen survient beaucoup trop tard.
cancer du poumon, malheureusement, ça ne s'exprime pas et ça pousse lentement sans prévenir. Et quand on le détecte, malheureusement, c'est souvent à un stade trop avancé pour qu'on puisse faire une simple ablation. Le test développé par Patrizia Paterlini-Bresciò apporte donc l'espoir concret de prévenir l'apparition d'un cancer en le diagnostiquant à son tout début, comme dans le cadre d'un dépistage. Le test, il est en amont. Le patient à risque fait l'objet d'un test. Si ce test est positif, on va plus loin. C'est une détection précoce, c'est ça le mot-clé. Le professeur Paul Hoffmann souhaite maintenant lancer des études à plus grande échelle et sur un plus grand nombre de patients pour valider les premiers résultats apportés par l'étude pilote. Comme toute étude pilote, elle doit être validée. Elle doit être validée dans d'autres centres que le CHU de Nice avant de déployer ce test à grande échelle et de le proposer à la population. Il faut impérativement que les résultats soient vérifiés et confirmés. Mais ce n'est pas tout. Ce test ISET est aussi très prometteur en matière de thérapie. Dans un premier temps et à plus court terme, il pourra être utilisé sur des patients en rémission pour s'assurer que le cancer ne redémarre pas. Et pour les malades souffrant d'un cancer déjà diagnostiqué, il permettra de mieux adapter les traitements en fonction de chaque patient. Le suivi de la présence et du nombre de cellules cancéreuses circulantes permet de savoir si un traitement a été efficace ou pas. Et il faut savoir que si ces cellules cancéreuses persistent, cela peut permettre éventuellement aux médecins cancérologues de changer de stratégie thérapeutique et d'orienter vers des médicaments plus efficaces. Mais Patrizia Paterlini-Bresciò continue son combat. Pour elle, ses premiers résultats sont déjà une belle revanche sur la maladie qui a emporté un grand nombre de ses patients lorsqu'elle était médecin en Italie. Naturellement, j'ai une sorte de rébellion à l'idée de la mort. Et j'étais vraiment désespérée quand je perdais mes patients. Et c'est là où je me disais, si la vie m'en donne les possibilités, je voudrais vraiment, vraiment faire quelque chose pour améliorer la qualité de vie et l'espérance de vie des patients avec cancer. Mais la chercheuse ne s'arrête pas là. L'étape suivante, pour elle, est de faire en sorte que le test ISET permette non seulement de déterminer s'il y a présence d'un cancer, mais d'en connaître précisément l'origine. Aujourd'hui, ce n'est pas encore un test, mais en laboratoire, nous avons des analyses qui nous permettent de dire de quel organe les cellules tumorales dérivent. En fait, on étudie les protéines qui sont à l'intérieur des cellules et ces protéines sont spécifiques de certains organes. Par exemple, si à l'intérieur d'une cellule, on retrouve la protéine PSA, ça veut dire que la cellule tumorale dérive d'un cancer de la prostate. Pour analyser les protéines, Patrizia Paterlini-Bresciò dépose sur les cellules un anticorps qui agit comme un révélateur. Par réaction, la cellule cancéreuse prend une certaine couleur, visible au microscope. Cette couleur indique la nature de la protéine et donc, par conséquent, l'organe d'origine de la cellule cancéreuse. Voilà, dans les cas de ces patients, on voulait savoir si les cellules tumorales qui sont dans le sang dérivent bien d'un cancer de la prostate. Et là, vous pouvez voir effectivement que deux cellules montrent une fluorescence verte, ce qui veut bien dire que c'est des cellules tumorales qui dérivent d'un cancer de la prostate. Mais il faut savoir qu'on n'a pas des protéines marqueurs d'organes pour tous les types de cancers. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Il faudra certainement encore plusieurs années avant d'atteindre cet objectif. Mais Patrizia Paterlini-Bresciò se projette déjà dans l'avenir. Ce qu'on peut imaginer, c'est que demain, quand on va à l'hôpital pour faire une prise de sang, pour faire une numération formule sanguine, on pourra aussi regarder, sans y penser, s'il y a des cellules tumorales et s'il y en a, rechercher immédiatement de quel organe elles dérivent et donc détecter le cancer, tout type de cancer qui devient invasif très précocement et donc le traiter très précocement. Si les travaux de Patrizia Paterlini-Bresciò aboutissent, pourquoi ne pas espérer qu'un jour, la détection précoce du cancer devienne un examen de routine tellement accessible qu'on pourra sauver des millions de vies chaque année? Sur arte.tv/futurmag, la lutte contre le cancer continue.
car les chercheurs se surpassent pour trouver d'autres techniques de détection précoce de la maladie. Découvrez entre autres notre reportage sur le Nanose, un nez électronique extraordinaire qui imite l'odorat du chien et qui est capable de détecter le cancer dans notre haleine.